Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 31 mars 2023. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. En tennis, l'arméno-russe Karen Khachanov est en demi-finale du tournoi de Miami. Voilà. Il est en très très grande forme. On espère une saison magnifique donc de ce joueur arméno-russe qui a déclaré son soutien à l'Artsakh à de nombreuses reprises et qui se sent arménien et russe. Voilà, donc on espère cette année donc un parcours exceptionnel de ce joueur tennis numéro 16 mondial, mais qui peut être dans les 10 premiers, voire dans les 5 premiers. Voilà. Une médaille de bronze au championnat du monde de junior d'haltérophilie qui se passe à Durrës en Albanie. Donc Anna Amroyan, une Arménienne hein, en haltérophilie, elle a été troisième, voilà, médaille de bronze. Mais l'actualité, donc, elle était plus dense donc hier. Donc le commandant des forces terrestres d'Iran a menacé Bakou. L'Iran ne permettra pas de modifier les frontières de la région du Sud-Caucase une nouvelle fois. Et c'est aussi le commandant des forces terrestres d'Iran a aussi accusé donc Israël de mettre le pied en Azerbaïdjan et surtout a accusé Bakou de laisser des forces étrangères à sa frontière. Donc voilà, à suivre. Des militaires azéris ont tiré sur un habitant arménien travaillant dans un champ en Artsakh. Donc hier, il y a eu trois incidents, hein, trois tirs, trois ruptures de cessez-le-feu par les azéris sur divers villages donc de l'Artsakh. Là, c'était au village de Bertachen, donc alors qu'un agriculteur, un villageois, Haik Zalgarian, il était dans les travaux agricoles, donc avec son tracteur Bélarus, de marque Bélarus, il a été pris pour cible par des militaires azéris. Donc trois faits similaires se sont déroulés dans des villages, donc en Artsakh hier. La tension monte, l'Azerbaïdjan met la pression sur l'Artsakh et sur l'Arménie pour récupérer l'Artsakh et envahir le sud de l'Arménie, les Ankézous arméniens. Voilà l'option donc de Bakou qui ne cesse de harceler la population arménienne pour faire régner la terreur, pour faire fuir les 120 000 Arméniens de l'Artsakh et puis après aussi dans la région du Sunik, essayer de grignoter du terrain pour faire une jonction entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan et la Turquie. Voilà l'objectif militaire donc de l'Azerbaïdjan qui est dénoncé par tout le monde, mais en fait personne n'agit. Il n'y a pas de force militaire en face, hein, ni de l'Europe, ni des États-Unis, ni de la Russie presque, hein, à part l'Artsakh. Voilà, donc on compte les coups. Aujourd'hui, on compte les coups et puis on essaye de faire un traité de paix avec l'Azerbaïdjan afin que cette agression ne se poursuive pas. Voilà l'attitude de l'Arménie aujourd'hui. Entre-temps, donc l'Arménie décide ceux qui affiche une mauvaise attitude envers le drapeau de l'Arménie, seront condamnés à une amende. Donc voilà, le gouvernement arménien essaye de sanctionner, de mettre en place des lois pour sanctionner ceux qui ne respectent pas le tricolore arménien. Voilà, donc, et ne respectent pas le tricolore arménien donc au niveau de sa mise sur des bâtiments publics, au niveau de sa mise sur d'autres bâtiments, même privés. Voilà, il y a quand même des normes à respecter, et à respecter aussi surtout le drapeau de l'Arménie qui est un des signes de la République. Voilà, un des signes importants de la République d'Arménie. Et ça, le gouvernement arménien veut renforcer la loi pour défendre le tricolore arménien. Le tracé du corridor de la Chine change. Donc, Nicole Pachinian a assuré qu'il n'y aura aucun changement dans les positions arméniennes. Mais bon, le corridor de la Chine, avec la nouvelle route parallèle qui va être mise en place demain sans doute, le 1er avril ou fin avril. Donc là, il faut quand même avancer au niveau de l'information. Une nouvelle route qui va rejoindre la route de la Chine, mais à un niveau un peu différent, va être réalisée. Donc voilà, il n'y a pas de discussion. Donc Moscou affirme qu'il n'y a pas de discussion entre Yerevan et Moscou sur la création d'un poste de contrôle à la Chine. Voilà, donc aussi, c'est ce que dit la déclaration de la diplomatie donc, russe. Entre-temps, les Azéris ont avancé de 100 à 300 mètres
sur 5 points de position tout autour de ce corridor de Latchine. Voilà, donc l'Azerbaïdjan grignote du terrain, avance, malgré les accords du 9 novembre 2020, donc ne respecte pas les accords du 9 novembre 2020, et les forces russes ont beaucoup beaucoup de mal à les repousser. Et d'ailleurs, souvent, quand les Azéris avancent, ils restent, hein, donc ils installent des positions et ils reculent pas. Voilà aussi le drame du non-respect des accords du 9 novembre 2020. Et aujourd'hui, l'Assad paye vraiment le durement cette diplomatie, mais qui est, comment dirais-je, de Bakou, mais qui ne respecte pas du tout les engagements. Voilà, donc l'étau se resserre autour du corridor de Latchine. Bon, en attendant, cette nouvelle route dont la construction va se terminer très très rapidement, et dont les Arméniens vont installer des postes de pas de contrôle, mais des forces. Ils vont retirer les soldats a priori, et ils vont installer des gardes-frontières. Le Premier ministre arménien a eu une conversation téléphonique avec Charles Michel, le président du Conseil de l'Europe. Il a affirmé, donc il a fait part donc de la situation en Artsakh et de ce corridor de Latchine, avec le blocus et puis des agissements donc de l'Azerbaïdjan, qui ne respecte pas du tout les engagements. Même lors des réunions entre l'Union européenne, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, ces engagements-là, donc Aliyev y était plusieurs fois, et ces engagements-là ne sont pas respectés par l'Azerbaïdjan. L'Arménie tire des sonnettes d'alarme partout, mais bon, avec des effets immédiats très 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 peu sensibles, hein, très peu visibles. Voilà où on en est, mes amis. Donc bon, les nouveaux projets en Arménie, de nouvelles plaques d'immatriculation en or, donc des numéros en or, hein, vous savez, des numéros importants, qui vont être mis aux enchères par les autorités arméniennes. Voilà, il faut payer plus pour avoir des bons numéros au niveau de sa plaque minéralogique. Enfin, pour ceux qui, comment dirais-je, qui ont un petit peu, qui sont dans cette folie-là, hein, voilà. Voilà, mes amis, écoutez, donc l'actualité, elle était là, autour de ce corridor de la Chine et de l'Artsakh et de l'Arménie, avec l'ouverture de nouvelles routes qui est imminente. Voilà. Et pour le corridor de la Chine, a priori, c'est terminé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la présence russe à la Chine bloque intégralement donc tous les projets d'ouverture de ce corridor de la Chine. L'Arménie va pouvoir ouvrir peut-être par cette voie parallèle, on verra, pour un peu enfin, les 120 000 Arméniens qui sont soumis au blocus en Artsakh puissent un petit peu avoir une bouffée d'oxygène, avec un lien terrestre avec l'Arménie, à suivre, mes amis. Donc à voir, donc dans les heures ou dans les jours qui viennent. Et puis cette tension donc entre l'Azerbaïdjan et l'Iran, par la présence des forces, peut-être la présence israélienne à la frontière avec l'Iran, du côté donc azéri, et qui met la tension, entre Téhéran et Bakou, et comment dirais-je, une explosion militaire est imminente aussi, hein. Donc dans ce genre de tension, c'est, comment dirais-je, c'est mal parti, en tout cas, c'est mal parti. Et puis la région peut être, encore une fois, soumise à une guerre qu'on ne souhaite pas, les Arméniens souhaitent la paix, mais la situation est telle aujourd'hui, elle est tellement explosive, avec tous les intérêts géostratégiques donc au Sud-Caucase, que peut-être qu'une guerre est difficilement évitable, mes amis. Espérons qu'elle n'ait pas lieu, mais voilà. Sur ce, bonne journée et à demain, mes amis.